Sans transition, comme on dit dans le métier, nous passons directement à Eva Rock, qui va nous parler non pas de télé, ah, bien joué, mais d'Internet. Mathieu, vous avez compris. Mais j'ai suivi un c'est petit peu ton histoire. Je vais vous parler d'un garçon qui s'appelle Pierre Cross. Il s'impose sur la plateforme de partage de vidéos YouTube et sur scène depuis 2013. Alors sur Internet, il multiplie les sketchs et autres délires avec ses potes, notamment des parties de cache-cache géantes dans des magasins d'ameublement. Et ce comédien de 32 ans est suivi par plus de 2 millions de personnes sur YouTube. Et il a également un fan, un petit Marius, 6 ans, beaucoup de réparties, surtout quand il s'agit de parler des filles et donner des conseils de drague. On a reçu plein de questions qui te demandent des conseils pour draguer. Pour draguer une fille. Ouais. Qu'offre-t-on à une femme pour un premier rendez-vous? Bah, soit une poupée, soit un petit chien, un petit caniche en poupée. Comment séduire en étant roux? En étant roux? Ah bah laisse tomber, hein. Ouais. Mais il va être triste. Toi, tu préfères mentir ou être sincère? Sincère. Et si t'es moche et pauvre? Bah ouais. Alors à se demander d'ailleurs quel est le plus adulte des deux. Ensemble, ils avaient déjà réalisé une vidéo au cours de laquelle Pierre Cross faisait découvrir à Marius l'application Tinder, une vidéo vue par 2 700 000 internautes. C'est jamais vulgaire, c'est toujours bienveillant. Pierre Cross, il a l'intelligence de ne pas reproduire d'ailleurs sur scène ce qu'il fait sur YouTube et inversement. Et sur les planches, il s'est fait remarquer par l'utilisation des PowerPoints. Vous savez, ces sortes de diaporamas constitués de graphiques et de chiffres. Et ça marche sur scène, ça marche parce que... PowerPoint, ouais. Les PowerPoints, c'est autre chose. Oui, t'as dit PowerPoint, mais c'est un autre logiciel. M'énervez, ça marche parce que... Soit, peut-être. Oh là là, c'est un gadget visuel, mais c'est extrêmement bien écrit, son spectacle, et c'est drôle surtout. Et pour tout savoir sur son parcours, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Écoutez votre émission, évidemment, ah, du samedi. Comment ça s'appelle, l'émission? Les petits plats dans les grands. Ah ouais, les petits plats dans les grands à 19h. Et non, plus sérieusement, je voulais vous dire aussi que la journaliste et auteure Ovidie sera là avec nous pour parler d'un sujet très délicat, les ados et la pornographie. Très bien, merci beaucoup Eva Rock, on sera là, merci à tous.